Clairement, en fait, je fais jamais ça, mais là, je vais le faire parce que je suis un peu énervé et surtout triste. Donc, je rentrais de Belgique, là où j'ai enregistré l'émission The Voice. Et j'étais en Thalys et il s'avère qu'il y a un contrôle du wagon. Et donc, tout le monde se fait contrôler. On nous demande nos pièces d'identité. Donc, je donne ma pièce d'identité. Mon manager donne sa pièce d'identité. Il s'avère que le policier garde ma pièce à moi et que je lui demande pourquoi il garde la mienne. Il me répond, c'est pour une vérification. Donc, instantanément, je me dis qu'il le fait à plusieurs personnes, un peu choisi au hasard. Et c'est cool. Donc, j'attends qu'il me ramène ma pièce d'identité. Et là, je me rends compte que je suis la seule personne à qui il a demandé la pièce d'identité, quoi, en tout cas à qui il a pris la pièce d'identité pour faire une vérification. Et je lui. Donc, je récupère la carte d'identité en question. Je commence un peu à réfléchir à ce qui vient de se passer, à regarder autour de moi. Et je me rends compte qu'autour de moi, il y a seulement des hommes d'une trentaine d'années. D'apparence caucasienne en tout cas, et que je suis donc la seule personne avec un faciès à connotation finalement, on peut le dire, musulmane, avec un nom à connotation musulmane en tout cas. Et je commence à me poser des questions et je me dis que finalement on ne peut pas laisser trop passer les choses comme ça parce que c'est pour moi une sorte de racisme du quotidien et de ségrégation. Donc je me dis que je vais aller voir ces fameux policiers et que je vais leur demander les raisons de leur contrôle et de la vérification de ma pièce d'identité. Et donc je vais très gentiment leur demander avec beaucoup de politesse pourquoi je suis le seul à... Donc je leur demande pourquoi je suis le seul à avoir eu ce genre de contrôle. Et donc il y en a un qui me répond parce qu'il y a des problèmes de fausses cartes d'identité en ce moment. Donc on les vérifie, etc. Donc je réponds monsieur très gentiment encore une fois. Je ne suis pas le seul à vous avoir présenté une pièce d'identité française. Pourquoi contrôler la mienne? Est-ce parce que pour vous, je n'ai pas un visage de français ou une allure de quelqu'un ayant la nationalité française? Il me répond non et son collègue arrive et direct hausse le ton et me dit mais en fait on a fait 160, 160 contrôles, vous n'êtes pas le seul. Je lui réponds que ben, dans le wagon je suis le seul et que j'aimerais vraiment avoir une réponse à tout ça parce que je trouve que ce comportement est un comportement à caractère un peu raciste et que en tout cas moi tout de suite je me suis senti un peu différent des autres. Et c'est là que ça devient drôle. Il se retrouve à être trois policiers finalement, dont celui qui m'a contrôlé. Et là, il me dit, mais vous n'avez pas le droit de me traiter de raciste. Et commence à crier très fort, etc. Je commence à élever la voix aussi. Je lui dis que je vais juste demander une explication, qu'à aucun moment j'ai traité raciste. De raciste, je lui ai dit que la situation était une situation qui pouvait me faire penser à du racisme et que je trouvais pas ça normal et que voilà, je voulais juste avoir une explication. Et la seule réponse de ces policiers a été, avec un tutoiement bien sûr, tu devrais te taire parce qu'en fait sinon je vais te contrôler. Et moi n'ayant rien à me reprocher, je lui dis mais allez-y, contrôlez-moi, il n'y a aucun problème. Et donc bien sûr il ne me contrôle pas parce que je pense qu'il savait qu'il était en tort. Mais en fait je fais cette vidéo parce que je trouve que c'est important d'en parler. Parce qu'en fait ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Moi ça m'est déjà arrivé vraiment beaucoup de fois. Et ça arrive tous les jours à plein de personnes. Et alors je suis pas du tout en train de pointer du doigt la police française parce que je sais très bien que c'est un métier très difficile et que la plupart des policiers sont des gens formidables qui nous aident à être en sécurité. Ils font des choses incroyables au jour le jour et c'est un métier, encore une fois, je le dis, vraiment, vraiment difficile. Mais je pointe le doigt sur ce genre de contrôle un peu abusif qui au final, je pense, sont finalement les déclencheurs de plein de choses chez les jeunes et moins jeunes, d'ailleurs, en tout cas chez les gens qui finalement se sentent de plus en plus différents et à qui on fait sentir qu'ils ne sont pas français. Parce qu'en gros, je me suis fait contrôler un peu d'une manière abusive. Je demande une explication et la seule réponse qu'on me donne, c'est si tu continues, je vais t'emmener au poste.
et je vais te contrôler là maintenant. Et à chaque fois, ah oui, en me pointant du doigt, bien sûr, avec le doigt comme ça devant moi, en me disant, écoute-moi bien, si tu continues, je t'emmène au tribunal. De toute façon, dès que je te revois à la gare, je te contrôle. Donc voilà, pour être très franc, j'ai répondu avec un peu moins de calme après tout ça, en lui disant qu'il pouvait me contrôler tous les jours de sa vie, qu'il allait rien trouver sur moi et qu'il n'y avait aucun problème. Mais ça me rend triste parce que ça arrive trop souvent et que ça en devient banal, que personne n'a rien dit, que je me suis retrouvé seul avec mon manager contre plusieurs policiers qui finalement m'ont parlé comme si j'étais la dernière des sous-merdes qu'ils avaient rencontrées dans leur vie. Et je trouve pas ça normal. Donc c'était pour vous dire que ça arrive à tout le monde, que ça m'est arrivé à moi, que ça peut arriver à plein d'autres gens, et que je pense que quand on n'a rien à se reprocher, faut quand même pas avoir peur de pointer du doigt ce genre de comportement parce que ça banalise un sentiment de différence qui est pas normal en France, qui est pas normal dans un pays démocratique. Alors encore une fois, les policiers font leur travail très souvent et très bien, et c'est grâce à eux que je me sens en sécurité dans mon pays. Mais ces quelques personnes-là, ils sont quand même, ils commencent quand même à être de plus en plus nombreux, n'ont pas le droit, sous réserve de porter un uniforme, de nous parler comme si on était des incultes, forcément dealers de drogue et forcément en tort dans nos comportements et dans ce qu'on pourrait avoir dans nos valises. Donc voilà, j'avais envie d'en parler. C'est pas forcément très bien dit et pas forcément un appel à quoi que ce soit. Mais je me suis dit que si moi j'en parlais pas, ben, avec la tribune que j'avais, c'était pas cool et c'était aussi accepter tout ça. Donc il serait peut-être temps à nos chers grands penseurs et aux gens qui s'occupent d'essayer de faire en sorte que les citoyens français vivent correctement, de prendre ce problème de contrôle très au sérieux parce que je pense qu'il est aussi... Il est aussi finalement l'une des raisons du pourquoi un jeune d'origine, quelles que soient ses origines, en tout cas peut se sentir différent et peut à un moment donné basculer du côté obscur, entre guillemets. Et voilà, c'est important qu'on se sente chez nous parce qu'on l'est et j'avais juste envie de le dire.